Avec Moïse, le bonheur pour moi revêtait une autre connotation. Une femme ne pouvait pas rêver mieux avec un homme aussi doux, aussi attentionné. Si je devais me réveiller d'un si beau rêve, je crois que j'en mourrais. À la question de savoir c'est quoi le bonheur pour moi, je vous répondrai tout simplement que c'est Moïse. Il est le bonheur lui-même et son essentielle réalité. Je tenais à vous dire merci pour ce copieux repas que vous m'avez donné de partager avec vous. En plus, c'est le premier après, depuis mon mariage avec Annick. Merci papa, mais merci maman. Merci mon fils. Encore félicitations les enfants. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci, merci maman. Ah, Sorette, tu nous manques déjà beaucoup depuis que tu es partie. Mais je ne suis pas partie. En plus, tu peux venir à la maison quand tu veux. C'est aussi chez toi. Merci. Moïse, et le boulot? Tout va bien? Le boulot? Oui, oui. C'est d'ailleurs, le boulot, c'est tellement stressant. Comme par hasard. Ça ne doit pas être facile pour toi d'avoir un mari qui est tout le temps occupé. C'est vrai, mais je commence à m'habituer. Heureusement que le mien a pris sa retraite. Il a tout le temps pour moi. Hey. C'est quoi ces clins d'œil tout à l'heure à Moïse? Tu es devenue folle? En fait, la machine en marche. Et ça m'allait bien plus facile que je le pensais. Non, 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 non. On n'a pas parlé de ça. On s'est attendu que tu le feras après mon mariage avec Antoine. Oui. Tu te maries avec Antoine et moi avec Moïse. On fait d'une pierre deux coups. Là, on lui prend et le père et le mari. Qu'est-ce que t'en penses? Non, non, non. Tu es devenue folle. Je sais. Ginette, je n'aime pas ça. Hein. Alors, beau-frère, tout va bien? Le boulot, un peu éreintant, mais ça va. Tout va bien. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il se passait quelque chose entre nous deux, n'est-ce pas? Non. C'est plutôt toi qui n'arrêtais pas de m'allumer comme tu es en train de le faire là maintenant. Et ça n'avait pas l'air du tout de te déplaire. Ne me dis pas que tu éprouverais du remords à sortir avec la sœur de ta femme. Chérie? Oui. Ah, vous êtes là? Ah, ouais. Tu causes avec ta belle-sœur? Ouais. Mais dommage, on doit y aller. Vous allez terminer la prochaine fois. Sorette, on se disait tout à l'heure avec Moïse que ça ne sera pas mal du tout si je venais passer le week-end avec vous. Mais le week-end, c'est dans 2 jours. Viens maintenant. Hein, chérie? Ouais. Maintenant? Ouais. Maintenant? Là. Allez, vas-y, va préparer tes affaires. Super. Quel gros enfant. Ouais. Que tu fais comme ça? Tu ne vas pas me dire que tu vas partir avec eux? Si, maman. Faut battre le fait lorsqu'il est chaud. Et puis le courant passe bien entre Moïse et moi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On avait dit que tu le ferais après mon mariage avec Antoine. Tu vas te marier avec Antoine. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir une relation secrète avec Moïse. Et si sa fille découvre, le vieux va nous chasser d'ici. Pourquoi tu veux tout foutre en l'air? Elle ne découvrira rien. Elle est trop naïve. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non. S'il te plaît, maman, laisse-moi faire. Je veux descendre cette dévergondée qui se prend pour la fille de Bill Gates. Je veux la voir couler des larmes de sang. S'il te plaît. Ginette, pourquoi tu ne reprends pas les études?
Ça fait 3 longues années que j'ai laissé tomber les cours, donc je ne pense pas du tout assimiler quoi que ce soit si j'y retournais. Et qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie maintenant? Je ne sais pas. Mais tu es ma grande sœur. Tu pourrais me faire des propositions. Par exemple, comment faire pour trouver un prince charmant? Chérie, je pourrais avoir un peu de ta pâte? Bien sûr, je t'apporte ça tout de suite. Alors, beau gosse, tu me rejoins dans ma chambre ce soir? Je ferais même mieux que ça. Je m'y attendais pas, mais j'ai hâte de voir ça. Je t'en veux. Merci. C'est bon, merci. T'en veux, Ginette? Non, merci. Apparemment, le mariage te réussit. Regarde comme tu as bonne mine. À te voir, on croirait presque vivre en couple, c'est facile. C'est facile. Il suffit juste de trouver la bonne personne. J'aimerais bien tomber sur la bonne personne, moi aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Et Didier? Didier. Didier est un rêveur, un poète. Faut pas croire, hein. Moïse aussi, c'est un poète. Hein. Mais moi, c'est ce que j'aime chez lui. S'il était paumé, tu l'aurais épousé. Eh, je ne l'ai pas épousé pour son argent. Didier, il est tellement paumé qu'il n'est même pas capable de prendre un petit studio en objet de se voir chez ses amis. Alors que moi aussi, j'aimerais tellement me marier. Oh, arrête de te morfondre. Didier a un avenir à Dieu. Et toi, tu l'aimes. C'est l'essentiel, non? Ginette te manque déjà. Oui, même si elle est partie pour quelques jours. Alors, imagine ce que je ressens depuis le départ d'Annick. Je me demande vraiment pourquoi nos enfants pensent qu'à un moment donné de la vie, ils doivent forcément prendre leur envol. Ne sois pas égoïste, chérie. Tu sais, à un moment donné de la vie, les oisillons doivent quitter leur nid. C'est la loi de la vie. Mais moi, je suis là. Jamais je ne t'abandonnerai. Mais le seul problème, c'est que je ne sais pas quelle place j'occupe dans ton cœur. Je t'aime beaucoup, Marie. Tu sais. Dis-moi, mon cœur. Et si on officialisait notre union? Laisse-moi un peu de temps. Antoine, ça fait 4 ans que ta femme est décédée. Quand est-ce que tu vas mettre fin à votre union? C'est pas facile, tu sais.
Ce qui n'est pas facile et même insupportable, c'est ce que je vis à tes côtés. Quand on s'est rencontrés, tu as dit que tu voulais refaire ta vie, non? Et si moi j'ai accepté d'être à tes côtés, c'est parce que je voulais me marier. Mais là, j'ai l'impression de faire du babysitting. Aujourd'hui, c'est toi qui paies le déjeuner. Oh, je sais. Inutile de me le rappeler. Ah, c'est mon roi. Et arrête, tu vas me rendre jalouse. Allô? Oui, Trésor. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est Moïse et il avait l'air très bizarre. Écoute, je vais rentrer. Hein? D'accord. Mais je vais avec toi? Mais non, on va pas manquer toutes les deux les cours. Ça va être compliqué après. Et puis, je sais pas combien de temps je vais mettre à la maison. Hein? Tout à l'heure. Ok. Annick? Il est où, mon mari? Quand je rentre ce soir, je ne veux plus voir cette poufiasse chez moi. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Figure-toi qu'elle est rentrée dans notre chambre. Quoi? Toute nue. Elle s'est jetée sur moi. Et ça, c'est ta faute parce que c'est toi qui l'as invitée chez nous. Alors, règle-moi ce problème. Attends, j'hallucine ou quoi? Je te jure que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ton mari raconte n'importe quoi. C'est un vrai malade. Sale garce, c'est toi la malade. Tu vas faire tes affaires et dégager de chez moi. Annick, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Tu n'as rien à m'expliquer. Il n'y a qu'à voir comment tu es habillée dans ma maison en présence de mon mari. Ouvre les yeux un peu, Annick. Ton mari a couché avec moi dans votre lit conjugal. Il a juste monté cette histoire pour te distraire. Si tu penses encore un mot, je te défigure. Je te prenais pour ma sœur, mais en fait, tu n'es qu'une sale garce. Fais tes affaires et tu dégages d'ici immédiatement. Sale garce. D'ailleurs, j'appelle ta mère. Tu vas me le payer, Moïse. Je te jure, tu vas le regretter. Mais qu'est-ce que je fais? Tu es encore là, toi? Tu ne m'écoutes pas. Hein? Annick vient de m'appeler, c'est à peine si elle n'a pas pleuré au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais vous parlez! Maman, ce type est un vrai malade. Il a couché avec moi dans le lit de sa femme. Et il a fait revenir d'urgence de l'école pour lui dire que je l'ai séduite. Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Est un vrai pervers. Un malade mental. Un sadique qui mérite d'être interné. Allez, calme-toi. Mais toi aussi, pourquoi tu as invité Ginette chez toi? Tu sais très bien que c'est une allumeuse. Mais c'est ma sœur. Peut-être, mais c'est une allumeuse. C'est sa nature et rien ne peut changer ça. Encore moins une alliance fraternelle par adoption. Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour sa défense? Que mon mari a couché avec elle dans mon lit. Il s'en est fallu de peu pour que je la défigure. Moïse lui dit que c'est elle qui a tenté de le séduire. Tu as deux versions des faits là, ma chérie. Oui, et c'est celle de mon mari qui est juste. Je te comprends. Hein. Mais un homme et une femme seuls dans une maison, beaucoup de choses peuvent se passer par consentement mutuel. Avant que l'un ne décide que c'est mauvais et essaie de sauver les meubles. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Hé Aline, tu veux créer la confusion dans ma tête? Loin de là. Je veux juste que tu prennes un peu de recul et que tu analyses la situation avec objectivité. Mon mari m'aime. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais un homme a beau aimer une femme, cela ne l'empêche pas d'en désirer une autre. Écoute, il y a quelque chose de pas très net chez ces deux-là. Aline, tu commences sérieusement à m'énerver. Mais vraiment, quoi. Je sais. Ginette, je ne sais pas si je dois te plaindre. Mais sache que l'acte que tu viens de commettre va compromettre notre avenir dans cette maison. Mais gare à toi. Si je me retrouve encore de nouveau à la rue, je ne vais pas te trimballer avec moi. Ça sera chacun pour soi.
Je vais te donner une chance d'être libre. Et cela va dépendre de toi. Alors ouvre tes oreilles et tu m'écoutes. D'accord? Est-ce que tu as un frère? Non, Ernest. Tu sais toi-même que je suis orpheline. Je n'ai aucune famille. Mauvaise réponse. Je te promets que c'est vrai. Je ne connais personne que toi. S'il te plaît, laisse-moi parler. Calme-toi! Calme-toi! Je ne te veux aucun mal, tu te calmes. Calme-toi! Je ferai tout ce que tu veux. Calme-toi, dis-toi. Je te veux pas de mal, en fait. Je veux juste comprendre. D'accord? Est-ce que quand toi et moi nous vivions ensemble, est-ce que tu aurais un parent lointain qui a tenté de rentrer en contact avec toi et qui se joue et qui se passe pour ton frère aujourd'hui? Non, Enes. Tiens, c'est pas juste! C'est pas juste! Mais qui me harcèle? C'est qui? C'est qui me harcèle? Pourquoi quelqu'un m'appelle et me demande après sa putain de sœur que tu es? Tu viens de louper ta chance là. Allô? Sale tas de merde, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Je m'en suis déjà sorti, Ginette chérie. Est-ce que ta femme sait quel genre de type tu es? Tu sais, tu es tellement naïve et prévisible. Tu croyais que quoi? Que t'allais bousiller le foyer de ta soeur comme ça? Annick, elle est naïve, mais moi, je suis un vieux routier. Hein? Oh, fais attention, ma chérie. Fais attention à des types comme moi, parce que avec moi, on joue pas. Et d'ailleurs, toutes celles qui ont essayé se sont brûlées. C'est quoi ça? Moïse? 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 Tu peux me dire ce qui s'est passé chez ta sœur pour que tu reviennes aussi précipitamment? Avec un œil au beurre noir? Bonjour, madame. Bonjour. C'est ici... Kenneth Dubois habite. Il n'y a personne de ce nom ici. Vous en êtes sûr? Vous vivez ici? Non, mais je suis une très grande amie de la famille. Je peux vous dire qu'il n'y a personne de ce nom ici. Quelles sont les personnes qui vivent ici? Qu'est-ce que vous voulez au juste, madame? Un instant. Est-ce que vous connaissez cette jeune dame? Non, je ne l'ai jamais vue. Ok, merci. C'est tout. S'il vous plaît. On s'est déjà rencontrés? Non, madame. Je ne pense pas. Bonne journée. Thank you.
chérie, tu m'as appelé? Tu peux me dire pourquoi Ginette est revenue aussi vite avec l'œil au beurre noir? Tu sais, Ginette, elle n'aime pas rester dans le même endroit. Maintenant, pour ses yeux-là, peut-être qu'elle s'est cognée la tête, sinon elle ne m'a rien dit. Donc, Annick t'a pas appelé pour dire qu'il y a un problème? Non, elle ne m'a pas appelé. Ok. Si Annick n'a pas appelé, c'est qu'il n'y a rien de grave. Donc, tu lui dis d'aller voir un médecin demain. C'est peut-être une infection. Oui, c'est ça même. Je suis dans la cuisine. Je comprends. C'est à cause de ce qui s'est passé ce matin avec ta sœur. Tu penses que je dis faux, en fait. C'est pas ça, mais... Mais quoi? Je vais me coucher dans le canapé. Mais non. Excuse-moi. Je voulais pas te contrarier. Tu m'as anéanti. Si tu ne me fais pas confiance, qui est-ce que je deviens? C'est pas ça. En fait, c'est Aline qui est en train de créer la confusion dans ma tête. Aline qui croit? Parce que tu vas laisser ta copine venir gérer notre vie? Aline est mariée? Aline sait ce que c'est que gérer un foyer? Tu veux que je t'interdise de voir Aline? Ah, ne fais pas ça. Aline, c'est ma copine. Oui, mais j'ai pas envie de t'interdire de voir les personnes que tu aimes, mais il faut bien que tu me protèges et que tu me défendes quand ils mettent mon intégrité en doute. Chérie. Tu as raison. Excuse-moi. Tu as vu l'œil de ta sœur? J'étais obligé de lui asséner un coup pour me libérer de son étreinte. Tu n'imagines pas de quoi elle est capable, cette gamine. Briser ton foyer est le seul but qui l'a emmenée ici. Je te dis. Ne parlons plus de ça, d'accord? Non, mais là, tu m'as fait très mal.